La police déjoué yon kidnapping qui t'a pral fait bien bonnet jodi a dans zone poste marchand. Gagné zam qui saisi et gagné machine que la police confisqué. Et parmi machine sa yo, gagné youn qui c'est pou mairie Port-au-Prince. M'bral bon détail et faut dire l'autre cousin encore, gagné un petit toro qui fait partie des bases 400 Maozo, la police arrêté. Même si c'était fin fond coup dans croix des bouquets, il t'a caché dans département du centre. Eh bien, la police kembe misye, yo mette menan pat kasavli et pour moment, moi-même avec vous, n'a pas les à la toa, yo mette l nan garde à vue pour suite judiciaire qui nécessaire. Comment nous y est-ce que n'a pas kembe? Bien bonnet jodi à mes chers amis. Mon cher, la police a m'ban ça au respect. Où est la police sous travail? Pas de monde qui ka empêché. Même si supérieur hiérarchique campé dans bang, campé en croix pour ta empêcher la police la tant mais en opération, ou le compressé PNH la ka passé sous supérieur hiérarchique là. Jodi a bien bonnet dans matin mes chers amis dans zone poste marchand, comme nous connaissons zone ça son zone de non droit oui. Même songe les m'a fait zone ça les bral al suivre coup. Dans l'annexe, droit de Gonaïve, Isidore Jean, lui. C'est pas ton bail facile, non? Mon à peine fin passé et puis il y a un dérapage qui fait, oui. Mon Dieu, t'as regardé, on dit amen, non. Eh bien, bien un kidnapping qui t'a fait bien bonnet. Vous entendez bien bonnet? Bien bonnet, je dis à mes chers amis. Eh bien, la police, via avec policiers qui dans le commissariat du département, l'Ouest 1. Eh bien, next yo. Vous avez un joué une alerte là qui sortit depuis dans CRO, qui est centre de renseignement et des opérations. Rapide vite, la police alerté. Nègre qui a mis au sous-brésil, arrivé au moment même, pendant l'action, libre à le fait, balle déclenchée, échange de tir, bandit n'a pas de résister. Bandit n'a obligé de courir, quitter les armes, courir, quitter les machines, avec quelques. L'autre bail yo te quitté en de machine nan tan kou cagoule parce que bagala te red pou yo et la police saisit deux gros armes pour on ki zam yo bon bon yo parce que m gen la on va faire bon bon zam yo. La police saisit mes chers amis des armes automatiques des modèles AR-15 ça zam sa mrele le fan nigrit fan tubulis et au moment et la police saisit deux machines. Machine yo gen yon Mitsubishi qui gen comme plaque AA40596 et yon kante qui se pou mairie Port-au-Prince. Pour kante mairie Port-au-Prince, ça va bay plaque li et puis forme du bureau communication PNH la, li tout rappeler peuple haïtien, ces jours-ci bandi yo toujours gen tendance utiliser plaque ou bien véhicule l'état pour capable commettre mauvais actes. Mais bon di tout messieurs. Nous comprendre, bureau communication peut-être la BC bémoliser les choses. Mais ce qui est important, si vous machine, service de l'État, même service de l'État a dit, dans boîte l'État, machine ça t'a égaré, pour qui ça va gon alerte? Mais réseaux sociaux, on pas besoin de la presse, non? Réseaux sociaux, publier peut-être les 4 la marée 14, les otages de machine ça qui t'a égaré à nous, Kachiboumbe. Pour que ça comprenne, pour dire, mais depuis qu'il est, vous faites annonce là, que vous avez une machine dans un bureau qui est égaré, qui est garé, qui est bandit, exam, te détourné la machine ça. Et pendant que vous prenez la nappe, dit que c'est juste bandit, mais c'est, faut mettre tête en place pour faire bagarre. Si pas si tire, pas gagner voler. Si vous avez un candidat qui pour mairie Port-au-Prince, faut qu'on ait de qui prévient, de qui manigance. Et moi-même, pas où est-ce si nous avons une recherche là sur les réseaux sociaux ou bien peut-être médias traditionnels, vous avez dit que vous avez annoncé ce qui était déjà, mais vous avez dit que vous avez cherché pour vous joindre. Hein? Et pas les bagages à passer, mais même dit ça déjà. Changement pays, ça, j'en ai là, insécurité dans le bégon de monde. J'en ai là, c'est une pensée. Nous cachons un bois, nous cachons un bois, nous cachons un bois, nous quittons l'autre bois dans la saleté. Ça va te garder nous. Si nous pensons dans le bégon qui cache l'ombre, ça va te garder nous. Est-ce que vous comprenez? Même Jean Bagala est comme ça m'a bailli. Oui, Marino, c'est pendant que Québec était là, et puis nous avons dit que la presse, bon, disait aussi, a rappelé, on ne peut pas les belles français, oui, à noter que ces derniers jours, des bandits armés ont tendance à utiliser des véhicules minus de plaques, décision publique, à droite.
est-ce que l'institution publique ça lui même tout les machines dans tes garé là il était sorti en note pour dire que gon machine qui pour institution publique là machine ça il détourné par des gangs armés il détourné par des bandits armés est-ce que tu es un bagarre comme ça aïe 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 mais c'est espère nous entendre moi même dit ça déjà. Je vais prendre Anana pour Suzanne. C'est vrai, la police a fait un bel tonton travail dans le pays à ces jours-ci. Et son travail qui méritait ovationné. Quand on dit ovationné, qui méritait applaudi. Est-ce que vous comprenez? Mais, si je vais prendre pause, je vais casser et couvrir ça pour quelqu'un sanguiné. Mais je vais dénoncer nous tous. Parce que le job, c'est ça moi-même. C'est entreprendre, c'est bail peuple à l'information. Jean lié à 100 sans mettre, oui. En tout cas, mes chers amis, kidnapping dans l'idée jouer. Bandit qui t'en prend la fuite. Yo qui te zam, parce que des zams a yo, a servi institution, hein? Et machine sa tout, Mitsubishi ya, comme yo kande a regale pa pral fè limye sou li, parce que jam wè yo fè bémol la, mais quand a pou Mitsubishi ya, m'pense gen renseignement qui pral kap fè actuellement la, gen enquête kap mené pour konnen, dès qui prévient, dès qui manigans pour qui est, machine sa li même, li apatrini. Mes chers amis, l'autre détail, yon bandi, tout sa rele, ma bon monsieur, oui, monsieur Rémi Renel, alias Lele. Il a 30 ans, il fait dans la commune Kouare Bouquet. La police a arrêté monsieur dans Mibale, Riel Saint-Louis. Dans le jour qui passé là, parce que tout ça, il a fait un zak dans la commune Kouare Bouquet qui a été fait pour un bon zak là. Comme nous connaissons, il n'y a pas de dominance. Next ça c'est tout bête et c'est tout bête tout plimay j'aimerais mon yo dit là eh bien mouche ça il était participé dans un cambriolage c'est-à-dire dans casser on pompe gasoline dans zone on va dans un cambriolage et bien, mes chers amis depuis là monsieur fin fait quoi il était tout al prend refuge li dans département du centre pays d'Haïti et bientôt ça la police met maintenant pas de cassavli et pour le moment, l'INA DCPJ pour suite judiciaire nécessaire. Mais même ça, je suis capable de dire avec la population, ça nous remarque, la police la vle pipren, la police la vle kokodain, la police la vle en kain, la police la vle nan entourage nous. Mais nous même temps pour souple. Pas repousser la police. L'homme dit la police. Elle dit, pas repousser les policiers. Repousser dans quel sens? Et pas tant qu'on prend le prend pour vous voir des policiers. Ou pas qu'on fait un civil ou celle sous ta gonne, l'homme qui lui met dans la pour voir bien son chef. Mais repousser, c'est non empêcher. Ou bien c'est pas vouloir bailler la police là des données. C'est pas vouloir bailler la police là des informations. C'est ça oui qui joue un rôle de repoussement. Est-ce qu'on va repousser la police là? Parce que la police lui même il t'a toujours voulu pour tes résultats pour le contre carrément Dieu qui voulait mettre main en bas gorge nous pour tout faire. Est-ce qu'on comprend? Quand on bel coup de filet fait là, assurément tentative kidnapping ça là, kidnapping ça déjoué là. C'est 100 000, c'est 200 000, c'est 300 000 $ US oui que la police épargne pour victime là. Est-ce qu'on comprend? Son corps, oui mes chers amis, qui la police épargne là pour victime là. Ou te ka wel bat gon goud. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit gon goud? Mais la police, t'es dans brin, après elle te fini recevoir à l'être là, et puis lui paraît au moment même, sortant d'échange de ti, mais ça fait mal, c'est parce que il y a des machines qui saisissent, il y a des armes qui saisissent, il y a des cagoules qui saisissent, pas de yon nan met cagoules sa yo. Qui était à tête. C'est ça qui fait mal moi-même. Vous comprenez? Parce que les bandits sont pas problème. Même pour dire ça, on est qui dans la question kidnapping, pas une question arrestation. C'est stopper, blesser mortellement. C'est ça. Mais en tout cas, c'est DAR15 et que est Fon Nigrit, Fon Douboudis, Fon Galbas, c'est Zamsayo. Peut-être qu'il y a quelques bagages qui vont le faire. Mais c'est pas dit. Les nous prenons Zamsayo, les nous saisis Zamsayo. Non, mais bandits. On prend l'institution policière là, c'est dit ça. Pas dit mes boulets dans le boulet. Mon loi égal. Vous comprenez? Je ne sais pas si ça fait. 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 En tout cas, il y a des débats dans la République. Je ne sais pas si ça fait. Je ne sais pas si ça fait. Même quand on est au boulet, je ne sais pas si tout effectif là au boulet net.
mais pour qu'on ait une blanche lame qu'on a au boule, qu'on a fait vidéo que tu montes y a boule en bagaille, mais bon, y a monte y a boule en bagaille. Est-ce que vous comprenez? Y a une kembel y a boule en bagaille. En tout cas, mes chers amis, on est maintenant en chouette là. Voilà, moi c'est en chou prêté qui donc depuis bagaille là, l'intérêt public quand même faut mal souli pour me dire que famille moi y a bon bagaille qui a besoin, ouais, bon bagaille qui famille moi y a besoin. Connais. Et faut me faire tout ça capable pour famille capable joindre information hein joindre détail yo attention mais tu n'es grand choubre là vous en faites me souffrir pour ça pas vous abonner avec channel là moi même tout ça déjà oui channel ça bon moi là mon challenge besoin dans qui moi là bon besoin dans 2 mois encore pour moi même 300 000 monde qui a brillé en tant que chiffre d'abonnement dégagez nous pour ne faire pas j'arriver parce que soit mes travail m'a faire partagez-la avec un ami, dit ah, bon bon information qui tombe là, oui, on met branché Tinex ça, tout ça va venir pour la paix en l'air. Et au début dit en l'air, tout nèg qui a utilisé les réseaux sociaux comme ça me dit en l'air. Tinex ça va je dis tout. En tout cas, le contraire et c'est peut-être réalité ça, en pile monde pas comprendre. Nèg là allonger colle, il fourre colle dans le gouvernement et puis il tout fait silence, pays a crasé le pas jamais dit rien et cetera et puis nèg ça était toujours comme si chaud devant bande pour annoncer tel ceci tel cela puisque on en pouvoir et puis coup de balle à pété, kidnapping, insécurité, massacre cité soleil, tout nèg fait silence parce que y a une obligation de réserve. En tout cas, c'est notre Haïti chéri. Maître Sonel, on garde ça Maître Sonel Saint-Louis. Nous fin parler de question commissaire gouvernement qui donc arrestation monsieur contrairement à ça l'autre moun yo t'a dit t'a semblé eh ben li pas forcément illégal Jean moun yo a dit parce que responsabilité pénale là li encore personnel en garder pour toujours dans cadre commissaire gouvernement yo arrêté par la suite après enquête de CPJ Benin via BAF. Yo pral constater que gagne des autorités au niveau du ministère de la justice qui t'a impliqué dans fait force fait pression sous commissaire gouvernement pour t'a libérer deux citoyens qui ont été arrêtés parmi yo gagne Jean Fritz Jean Relus qui c'est un nèg la police kembe en flagrant délit qui devine recevoir une quantité d'armes à balle pour un autre citoyen qui relait dit la France. Alors que commissaire gouvernement, monsieur prend pression dans main, d'après ça, BAF mentionné, il prend pression dans main, Maître Robinson Pierre-Louis avec Fritz Aubourg pour libérer Neguio. Est-ce que, cher maître, professeur, Sonel Saint-Louis, est-ce que yon conseiller qui dans le cabinet ou ministre capable exiger yon commissaire gouvernement pour ta libérer un client? Est-ce que le possible? Deuxième volet question, est-ce que en tant que membre d'un cabinet, il est capable d'exiger ça sans l'aval du ministre de la Justice en devant ses professeurs par l'ACPI? Ok. Ni commissaire du gouvernement, ni membre du cabinet de ministre, là, il doit connaître. Et surtout, membre du cabinet de ministre, s'il intervient, c'est-à-dire dans ce trafic d'influence, graphique de finances sont éléments de la corruption. Et ça, c'est la corruption. Graphique de finances sont éléments d'un crime de corruption qui intervient auprès du commissaire du gouvernement pour le demander mon pour le relâcher. C'est commissaire, ça veut dire qu'il fait corruption, son acte de corruption. Le commissaire gouvernement lui-même, s'il accepte d'obéir à l'ordre, c'est son crime de forfaiture. Ça veut dire qu'il passait à côté de Wall-Lil de faire la loi, bail pour le bail. Et dans ce cas, il doit y arriver. Mais ça, c'est pas ça qui est important. Mais ça qui est important, Mabdoula, et que tout étudiant doit entendre. Parce que je ne vais pas intervenir pour les qui connaissent déjà. Je vais intervenir pour les gens qui cherchent bien, qui cherchent à comprendre et qui veulent comprendre. Cette infraction, ça veut dire trafic d'âme, dans laquelle ces individus seraient impliqués, mais en difficulté, mais l'État en difficulté de protéger sa population, son territoire et ses intérêts vitaux. C'est ce rapport de CPJ a dit. Il dit, trafic d'armes, son trafic qui mettait en danger la sécurité nationale.
Et qu'est-ce que vous entendez par principe, entendez-vous par principe de sécurité nationale en droit? Ça veut dire qui ça? Moun qui commet infraction, ça veut dire moun qui intervenu, comme si t'as dans le cabinet ministre qui pour faire libérer mieux, ça veut dire les complices, ça veut dire son crime de corruption. Moun qui fait zami yo entrer en Haïti, y a moun qui a utilisé yo en Haïti yo, yo mette l'État en danger. Yo mette l'État en difficulté de protéger sa population, son territoire et ses intérêts vitaux. Et c'est la raison pour laquelle yo dit tout crime ça, infraction ça, lui toucher la sécurité nationale d'Haïti. C'est pas qui causer terrier, c'est lui. Les polices là disent ça. Dit ça, les là, lui mettait la justice dans une situation qui est difficile. Il dit que ça, lui concerne la sécurité nationale de l'État d'Haïti. Et de ce fait, il a empêché l'État d'Haïti de protéger la population. Hein? Ouais. Car ville, chaque ville, toute gang armée, il a empêché Haïti de protéger le territoire. Et les intérêts vitaux de la République d'Haïti sont mis en danger par les gens qui mettent les amis au rentrer en Haïti, qui ont utilisé et des gens qui sont complices et des gens qui ont intervenu pour faire libérer les gens. Qui a eu le principe de la sécurité nationale? En droit, pour les gens qui ont lu, on a créé les Mireille Delma Amati, qui a parlé de les concepts flous en droit. Lorsqu'on dit comme ça, lorsqu'il prend telle décision au nom de la sécurité nationale, au nom de la santé publique, au nom de la moralité publique, concept ça, c'est des concepts flous en droit. Ça veut dire qu'il n'y a pas de définition, c'est des concepts politiques et c'est l'État seulement qui a apprécié ça. Et c'est la raison pour laquelle, ça veut dire bien que c'est mais il a exercé une action en habeas corpus devant doyen. Il dit pour libérer Maître Robinson, qui est lui. Maître Robinson, c'était un confrère, il me respectait, il respectait tout. Nous avons l'habitude pour nous faire des échanges. Mais ça n'a pas dit là, c'est comme si est-ce qu'il est coupable ou non, pas coupable, est-ce qu'il est affaire ou non. Ce n'est pas sa question. Il est député de Sayo Akizo, et ça, c'est un principe dérogatoire en droit. Car le principe de la liberté individuelle lui tombe. Parce que c'est l'État qui est en cause, c'est-à-dire crime ça c'est au préjudice de l'État, c'est-à-dire c'est la souveraineté de l'État d'Haïti qui est attaquée. Le fait qu'on fait zambir sur le territoire ou empêcher l'État, c'est-à-dire l'État là bien les trois pouvoirs de l'État, c'est-à-dire ou empêcher de garantir sécurité population, hein, ou empêcher de garantir sécurité territoire national là, ou empêcher l'État lui-même de défendre les intérêts vitaux de la République pour gros crime qu'on fait. Et ça, c'est une question politique et les tribunaux n'ont pas à se prononcer sur des questions politiques de ces gens. Et c'est la raison pour laquelle doyen lui retrouver à Béatro pour cela, parce que la question qui est en jeu, c'est la question de la sécurité internationale. La sécurité, Non mais me vienne comprendre professeur semblait gagne des cerveaux qui dans des CVJ contrairement à ça mon a dit parce que le map li rapport moi nèg yo insisté et répété plusieurs fois dans texte là côté où parler de la sécurité et la sûreté intérieure de l'État donc c'est ça c'est-à-dire ça qui passe à lui engager l'État et la société. Ça veut dire que c'est exactement ça qui passait dans le rapport Bafla, monsieur Bravo. C'est pas un crime qui commet contre l'individu, c'est pas une infraction côté qui commet contre le réel civil qui vient préjudice. Ouais. C'est-à-dire, comme si dame-là, lui mettait en danger la sécurité de la nation, la sécurité de la République. Mais on dit l'État, c'est pas l'exécutif. L'État, ici, ce sont les trois pouvoirs, article 58 et 59. De la Constitution. Et vous dites l'État, ce sont les trois pouvoirs. Or, la justice est un pouvoir d'État légitime de la démocratie. Et à aucun moment de la durée, on juge pas à compléter contre l'État. Parce qu'il est l'État. Donc, c'est la raison pour laquelle et la justice, et l'exécutif, et les pouvoirs judiciaires, ils sont responsables
Ça veut dire que les trois pouvoirs co-dépositaires de la souveraineté nationale, alors que la police c'est la souveraineté de l'État qui est attaquée. Ça veut dire juge à lui-même qui vont portion des souverainetés qu'il a exercé au même titre que l'exécutif et le pouvoir judiciaire, donc il n'y a pas qu'à faire suite avec deux mandats parce que c'est l'État qui a été mis en péril. L'État mis en péril. On garde ça, professeur Sonner Saint-Louis, pour monde qui fait brancher. Je me rappelle que m'a parlé avec professeur Sonner Saint-Louis, c'est le technicien. C'est pas elle souhaite préciser question ça. Il est conscient, oui, il admet que il a travaillé comme conseiller juridique dans le palais national, mais il expliquait réalité ça et ça pas empêché que n'ait acheté bouche li, acheté plume ni pour le pas continuer parler. Maintenant, on garde ça professeur. Robinson Pierre-Louis, monsieur c'est secrétaire général Fédération des barreaux d'Haïti. Il est également conseiller qui a travaillé dans le cabinet ministre justice là, en même temps avocat. On arrête sous point ça. Est-ce que pas gagne une sorte d'incompatibilité parce que grand pile monde qui parlait sous ça. Est-ce que il est capable sans problème comme conseiller et ensuite avocat qui a plaidé des dossiers? Comme conflit d'intérêt. Pas conflit d'intérêt parce que ou pas jamais connaît qui est le conseiller qui intervient, qui est l'avocat qui intervient. Ou du moins, comment si c'est le secrétaire du barreau qui intervient. Trois conflits d'intérêts. Projet que nous sommes tous liés à l'air pour vous, nous disons comme ça. Plus fort professeur, nous avons au Canada, qui t'a fait en maîtrisant le doctorat, il y a une bataille. Il y a un avocat qui est inscrit au tableau de l'ordre du Québec, mais il ne va pas exercer avocat. Il n'y a pas de temps pour exercer ça. Parce que professeur, tout l'autre bagaille lié. Lui va en l'autre dimension qui pas permet tout et ou tellement occupé, lui pas permet tout aller en de tribunal. Et souvent, il compte tout comme ça, les professeurs sont des mauvais avocats, puisque ils pas jamais grand pile gros pratique pour aller dans le tribunal parce qu'ils font l'autre bagaille, ça veut dire qu'il y a fait la science. Ça veut dire qu'il y a réfléchi sous droit, ça veut dire qu'il y a produit des réflexions qui pour permettre à l'avocat lui-même, qui n'ont pas d'application pour la réfléchir sur eux. Donc, pour ça, elle a produit le droit, elle a produit la science du droit. Et c'est eux-mêmes qui sont avocats, eux-mêmes qui ont répété en un tribunal. Ça veut dire que c'est deux travails différents. Donc, c'est difficile. Maintenant, on a un conflit d'intérêts. Membre cabinet du ministre. OK. Et effectivement, effectivement, professeur, lorsque mettre d'ailleurs dans le rapport Baflan, et Michelet Virgile, comme ancien commissaire, monsieur, de rappeler ça, il dit que il n'a pas reconnaître Maître Robinson Pierre-Louis physiquement, mais c'est deux membres qui sont dans le cabinet ou bien qui au niveau ministère de justice qui relèvent, qui demandent la libération. Et d'ailleurs, lorsque Robinson Pierre-Louis, dans le rapport d'après DCPJ, il est arrivé en dedans, première déclaration, le fait, il dit que lycée secrétaire général Barreau d'Haïti, Fédération des Barreaux d'Haïti, ensuite, il s'est conseillé, il s'est membre cabinet mini justice là et ça te fait passer ti policier ou nan bêtise, menacer ou etc. C'est juste qu'après confrontation, il pral admettre que c'est avocat. Il dit que il t'a relé commissaire à titre d'avocat parce que il gagnait collègue li qui était sous dossier à l'autre bois qui c'est Michel Blanc. Bon, en tout cas, nous avons constaté réalité hein, secrétaire général de la Fédération des barreaux d'Haïti, conseiller mini justice, avocat, conflit d'intérêt. On garde, professeur, parce que m'a gardé tout le monde qui a parlé, yo, soit avocat qui a défendu. En principe, en principe, l'occupe pas ça, yo. Ouais. Parce que au chef de cabinet, donc pour un cabinet, non président, ou non cabinet, non premier ministre, et puis comme avocat. Ça veut dire équipement d'eau, vous mettez tête en incompatibilité. Répétez ça encore pour y entendre. Okay. Non, répétez ça pour y entendre, professeur. Répétez ça encore pour y entendre. Donc, là où conseiller juridique au président de la République, ça veut dire ou non cabinet président. Comprenez bien. Je m'explique en droit administratif. Si mon personnage qui est mieux placé pour exercer en influence sur l'État et la société, il veut dire le président de la République. Ensuite, c'est les ministres. Et ou un le premier ministre, c'est le ministre. Dans l'autre rang encore, il y a un monde qui fait partie
des cabinets présidents, des cabinets premiers ministres, cabinets des ministres, ils ont placé dans une situation côté au cas influencé la société, ils ont influencé l'État. Et le fait qu'on passe dans une position qu'on a influencé l'État, c'est-à-dire l'administration de l'État, pour que de mettre tout en incompatibilité durant la période pas plaider pour avocat. Non, au fin de parler, oui. Je pense que ce n'est pas dit. Je pense que vous attendez, vous comprenez. Mais qui ça qui explique, professeur, en dépit de tout ce qui est expliqué là? Ou m'insister sur professeur, parce que là, je parle avec professeur Sonné Saint-Louis. Eh ben moun, parce que ouais ça va dire là malheureusement faut gagner niveau pour comprendre gars pile moun va commenter mais qui manque niveau pour comprendre ce qu'a fait là aujourd'hui bam du professeur en début de toute son dit là yo qui ça qui expliquer m'a regardé bâtonnier qui parlait en pile avocat yo tout a dénoncé côté illégal de cette arrestation pour qui ça d'après vous DCPJ t'as le professeur attendez pour bien répondre pour qui ça d'après vous. Est-ce que DCPJ gen autorité ça pour le relayer un conseiller ministre là et puis tout mettre en bas code et ça te fait ou dénoncer côté illégal de cette arrestation qui sont ca dîne sous ça. N'a parlé là avec le professeur Sonné Saint-Louis. On compte mais pas pour tout avocat professeur du droit à comprendre. L'autre code des fictions criminelles là ou bien code pénal dit là il faut qu'on modifie là. L'autre constitution 1987 là il établit un nouveau cadre théorique. Et si vous ne comprenez pas le cadre théorique, ça, vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas faire des droit pénal là et dans la procédure pénal là qui n'est pas d'application. Par exemple, quand nous avons là, nous avons un code pénal, nous avons une procédure pénal qui fait sous Napoléon Bonaparte que nous héritons, que nous copions. Et c'est ça, Josué te dit dans cette vie, l'occidentalisation. Donc, n'est pas la modernisation. C'est-à-dire, nous copions pas tête.